Bonjour les amis et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Assassin's Creed Odyssey. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a changé pas mal de stuff. Enfin, on a gardé le même stuff, mais on a changé le skin du stuff hein, pour donner un look plus Assassin's Creed. Voilà. Et en plus de ça, on a monté les stats. Donc si je vous montre un peu mon stuff, vous allez voir quasiment... Je dirais même toutes nos pièces sont level 49 et on a aussi mis les meilleures améliorations qu'on pouvait dessus. Donc voilà, et on part donc sur un stuff avec des très bonnes stats. On reste sur notre base avec dégâts, probabilité de coups critiques ainsi que guerrier et assassin. Façon dégâts d'assassin, de façon à augmenter et à optimiser nos dégâts quand on se fight. Essayer de ne pas me faire voir. Alors là, je vais essayer dans un premier temps d'aller vaincre le monsieur qui est là pour Darkress le Cruel, qui est l'homme du jour à abattre, un homme du culte, avant d'aller poursuivre nos quêtes sur cette île. Je sais pas s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, une chose est sûre. Fiche le camp d'ici. On va tenter de le dépouiller. Pour t'être opposé, tu vas mourir. Oh, je suis en feu. Ça, c'est pour ma famille, Malaka. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la gloire de Delos. Tu as agi seul, et tu mourras seul. Alors on va avoir une prime sur le dos très rapidement, c'est déjà le cas. Artemis au regard acéré guide mon arc. Exauce ma prière. Que Cassandra n'effraie pas les animaux avec sa démarche de fermière. Je pensais ne pas faire de bruit. Si tu pensais être silencieuse, on ne mangera que de l'herbe piétinée ce soir. C'est joli ici. Les fleurs me rappellent des jours plus heureux. Mais aujourd'hui, ta préoccupation à toi, c'est ton talent à l'arc. Moi, je n'ai pas besoin de prier les dieux pour atteindre mes cibles. On sait qu'ils se déguisent parfois en animaux. Je les avertis simplement de mon arrivée. Parce que j'atteins toujours ma cible. On dirait un défi. Viens, le bouquetin est vif. On n'en tuera aucun si on reste ici à bavarder. Je venais chasser près d'ici quand j'étais jeune. À l'époque... Il faut que je la suive. C'était pareil pour moi. J'ai commencé en attrapant et en faisant cuire des rongeurs. En soupe, ce n'est pas mal non plus. Regarde le chemin que tu as parcouru. Que nous avons parcouru. Montre-moi comment tu te sers de cet arc. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ?
sens que je fais. Je sais pas trop ce qu'il faut faire avec là. Hein. Elle nous accompagne. C'est peut-être plus par là qu'il faut aller. De bouquetin ici. Faut tuer des bouquetins, j'ai l'impression. Incroyable. Alors aussi, oui. Voilà. Apparemment, j'en ai tué assez. Grâce à toi, les miens seront bien nourris et les dieux auront leur sacrifice. Tu chasses très bien. Pourquoi voulais-tu que je vienne? Ne joue pas les naïves. Il y a quelque chose entre nous, même si je sais que je ne devrais pas succomber. Parce que tu aimes Thaletas. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ta venue. La chasse m'éclaircit l'esprit. Elle m'aide à réfléchir à ce que nous nous sommes dit. Et que dit ton esprit? Je connais un endroit, près de l'eau. Très calme. Nous pouvons être seuls. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est parti, hein. Sont c'est une caution, ma Cassandra, alors. Tant qu'à faire, autant en profiter. Ceux de Delos souffrent depuis si longtemps. C'est la première fois que je me sens bien depuis le début de la guerre. Tu peux... Alors, un endroit près de la plage. D'accord, on demande d'aller d'abord. Apporter ça au tien. Ces îles méritent de vivre en paix. Comme toi. Tu es incroyable. Alla. Mais toi, que feras-tu? Quand tout ça sera terminé, nous aurons besoin de gens compétents. Mon voyage ne s'arrête pas là. Mais je m'installerai peut-être un jour. Tu peux faire beaucoup de choses, Mystios, mais t'installer, je n'en suis pas sûre. Encore un défi, peut-être? Arrête de chercher le bonheur dans l'avenir. Il est juste sous ton nez. C'est toi qui me l'as appris. Alors le pirate a une lame sur ma gorge, et l'autre sur mon ventre, et il me dit « Tu veux mourir comment, Mystios? Vite ou lentement ?» Par les dieux, et qu'est-ce que tu as fait? Il me regardait avec tellement d'attention qu'il n'a pas remarqué ma lance dans sa jambe. Il est mort avant d'avoir compris. Sa jambe? C'est un petit tour que m'a appris ma mère. C'est tellement facile de parler avec toi. Nous avons eu des vies similaires, mené les mêmes combats. Même si nous avons grandi loin l'une de l'autre. J'ai envie de toi, Cassandra. Oh là 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 là, mon Dieu! Sous les étoiles. J'ai eu envie de toi dès que je t'ai vu. Allez au boulot! En selle, comme dirait l'autre. Bande de petites coquines!
Mykonos est de loin mon île préférée. Et toi, tu es ma Mystios préférée. Il faudrait en parler à Thaletas. Oui, en temps utile. Pour l'instant, il doit se concentrer sur la rébellion. Nous aussi. Mais avant... Bon, on va pas faire que ça non plus, hein. J'ai des choses à faire, moi. Chasser, tuer, tuer, encore tuer. Ah, c'est bon, elle en finit plus, là. Ça y est. Broutage de gazon. C'est parti, mon kiki. Donc, TS de la chasse terminée. Encore de l'XP. On est bientôt level 50 aussi, hein. Ça se fait, hein. Ça se fait. Alors la question c'est par où on va aller. Je pense que par là c'est une très bonne idée. Puisqu'on a des quêtes qui sont revenues sur l'île à côté. Oula, oula, oula. Pourquoi ces chuchotements? Chut! Si les soldats nous entendent, ils me tueront. Tu es bien la Mystios au service de Kira et des rebelles. Qui est Kira? Ah! Ça, c'est une question que tu dois te poser. Mais les secrets ne le restent pas toujours, Mystios. Je peux te dire... Si tu sais quelque chose, parle, et vite! Si les soldats me voient, ils me tueront. Apollon sait qu'ils ont déjà essayé. Il y a une maison près du marché, condamnée depuis longtemps. Tâche de Tifofini. Ensuite nous parlerons. Curieux. Je devrais trouver cette maison pour apprendre ce que c'est la mendiante. Allez, c'est parti. En route. Cette maison est condamnée. Ce doit être là. Une maison condamnée, peut-être qu'il y a moyen de l'ouvrir d'une façon ou d'une autre. Peut-être en passant par au-dessus. Quelque chose ici. Des traces de pas ensanglantés d'un enfant qui a dû se cacher dans ce coffre. Cette femme a été tuée, laissée ainsi privée de dignité. Une lance athénienne s'est brisée entre ses côtes. Et il y a un message, un avertissement de Podarkès. Il payait cette femme pour qu'elle ne parle pas. Mais de quoi? Des poupées en bois, une mère et un enfant, gravées d'un M pour l'une et d'un K pour l'autre. Il n'y a rien d'autre ici. Il faut que j'aille parler à cette étrange femme. Et qu'a découvert la Mystios? Un corps. Une femme. Tuée à l'aide d'une lance athénienne.
Et c'est tout? Il y avait une lettre de Podarkes, disant qu'il les tuerait toutes les deux si jamais elle parlait. Mais pourquoi tuer un enfant? Sauf si... Oh, c'était le sien. Chut! On nous écoute peut-être. Maintenant, dis-moi, à voix basse, ce que tu as trouvé d'autre. Les poupées, portant gravées les lettres K et M. M est pour mère. Tu m'as demandé pour qui je travaillais. La petite poupée Oka. L'enfant, c'était Kira. Oui, ce qui veut dire... Que Podarkes est le père de Kira, pote. Par Zeus, Podarkes est le père de Kira. Enfin, il était, parce que je l'ai tué maintenant. Décidément, tu es du génie. Il faut le dire à Kira. Elle ne te croirait pas. Jamais. Toute sa vie, elle a traqué l'homme qui a envoyé des Athéniens tuer sa mère sous son regard terrifié. Mais les dieux ont épargné la petite Kira. Elle s'est enfuie. Comment sais-tu tout ça? J'y étais, Mystios. J'ai protégé la petite. Les Athéniens se sont tellement acharnés sur moi que Kira a réussi à échapper à leur lame. Tu as été mêlée à tout ça. Je m'appelais Autonia. J'ai été la servante de Podarkes. Quoi? Soir après soir, la mère de Kira est venue. La petite voulait connaître son père. Podarkes m'ordonnait de la chasser, mais elle revenait. Alors Podarkes m'a envoyé chez elle avec un message. L'avertissement. Elle n'en a pas tenu compte. Alors Podarkes m'a renvoyé chez elle avec des soldats athéniens cette fois. Kira doit apprendre que Podarkes est son père. Mais je ne le lui dirai que si j'ai des preuves. La femme est venue chez Podarkes un soir pour me supplier de lui remettre la poupée que Kira avait faite pour lui. Si Podarkes l'a eu, il l'a peut-être gardé. Seuls les dieux le savent. Je trouverai cette poupée. Maintenant, la Mystios sait pour qui elle travaille. Les rebelles méritent eux aussi de la prendre. Alors... On a le M pour meurtrier. Si Podarkes a caché cette poupée chez lui, je la trouverai. Voilà la poupée. C'est quoi ces petits lags? Ça n'arrête pas là. C'est chiant, vraiment très très chiant. On est déjà entré dans cette demeure de dirigeant. On me voit ici, j'aurai des ennuis. Quelqu'un d'autre a vu ça? Voilà. Pas de pitié. Garder la poupée que Kira a faite pour lui. Elle y a gravé la lettre P pour père. Kira l'aurait-elle toujours su? Les rebelles méritent de savoir la vérité eux aussi. Pour certains, les liens du sang comptent plus que tout. Ils risquent de l'abandonner s'ils apprennent qu'elle est la fille de Podarkes. Alors les rebelles, pour aller les voir, faut aller dans la grotte. Pour aller dans la grotte, elle est par là, il me semble. Nostration de l'énigme que j'ai toujours pas trouvé ici hein, aussi d'ailleurs.
bouée, Kira. Elle est... Je te manque déjà, Mystios. Kira, j'ai quelque chose à te dire. Cet air sur ton visage, si grave. Assieds-toi et bois un peu de vin. Ce que je m'apprête à dire, toi seul dois l'entendre. Viens avec moi. Maintenant que tu m'as pour toi toute seule, qu'est-ce que tu veux me dire? Il n'y a pas d'autre moyen de te l'apprendre. Podarkes est ton père. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ce n'est pas une bêtise. Je vais te tuer sur place! C'est impossible. Kira, désolée. Cet homme m'a tout pris. Comment as-tu trouvé ça? J'ai trouvé ton ancienne maison. Je sais, pour ta mère. J'entends encore ses cris. Un tourbillon d'armure bleue et de lames rouges a envahi notre maison. Pour m'enfuir, j'ai dû marcher dans le sang de ma mère. Je n'y suis jamais retournée. Et tu as bien fait. Tu as bien fait de m'en parler en privé. Mes hommes n'ont pas besoin de savoir, pas encore. Mais je t'en prie, laisse-moi. J'ai besoin d'être seule. Alors, M pour meurtre. Encore de l'XP. On va continuer la série de quêtes, hein, de toute façon. Il n'y a que ça à faire. Tous ces micro-lags, ça n'arrête pas là, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Regarde d'avoir des choses en haut, on va jeter un œil. Ah, on a trouvé l'ostration de Benning, enfin. Qu'on le cherchait dans ce secteur. Apparemment on a quand même activé la quête en étant dans le haut. Ok, pourquoi pas. Le peuple est heureux. Il y a de quoi? Pour la première fois depuis qu'Arès nous a infligé cette guerre, les îles de Delos sont libres. Mais Wakira,
Ça ne lui ressemble pas de manquer une occasion de boire avec ses troupes. Elle m'a dit que tu avais gardé son secret, mais je reste perplexe. Vodarkes avait plusieurs visages, mais il restait son père. Elle est partie seule l'envoyer aux passeurs. Tous les bons guerriers méritent un départ digne, j'imagine. Même Podarkes. Prie pour qu'on nous accorde les mêmes égards le moment venu. D'ici là, il y a du vin à boire et des histoires à conter. Trouve de belles histoires, ces gens le méritent. Même Thaletas. Assurément. Si tu parviens à le trouver, rappelle-lui que j'ai toujours l'intention de lui raconter comment j'ai perdu cet œil. Et l'équipage ? Prêt à prendre la mer ? Quand tu le souhaites ! Mais avant, l'équipage mériterait bien une coupe et une chanson ! Et toi aussi ! Mykonos est bien plus animé que Kefalonia. Marcos se plairait ici. Alors... peut aller par là, faire cette quête. Ça coûte rien. Pour le passeur. Va maintenant. Va sur le fleuve de la nuit noire et accueille les ténèbres infinies. Tu erras, obscur, même dans la demeure d'Hadès, voltant parmi les spectres. Je ne devrais pas avoir à faire tes adieux seuls. Je suis heureuse de ne pas être seule. Je voulais le voir brûler depuis si longtemps. Non, je pensais être en paix. Et qu'est-ce que tu ressens ? J'étais en colère. Et là, je me sens vide. J'ai été à ta place. La colère, c'est... Et le vide disparaît, lui aussi. Laisse faire le temps. Le temps ? J'ai gaspillé ma vie ! Ça a assez duré. Chronos dévore la chair de ses enfants. Depuis une éternité, les oiseaux déchirent les entrailles de Prométhée sur ordre de Zeus. Le sort est cruel. Et les dieux sont pervers. En cet instant, tout ce qui compte, ce sont les gens qui ont combattu pour toi. Ils ont besoin de toi, pas les dieux. Tu as raison. Ces gens ont besoin de moi. Nous sommes des rebelles dont la cause a disparu. Ils ont plus que jamais besoin de moi. Merci. Que vas-tu faire maintenant ? Pour rebâtir Mykonos. Nous allons la reconstruire. Mais pas à l'image de ce qu'elle était. Pas comme en rêvait mon père. Nous en ferons un lieu où le peuple sera libre. Et où il mènera une belle vie. Kira... c'est fini. Tes rebelles t'attendent.
Ils font la fête. Allons nous joindre à eux. Au revoir, père. Alors, un peu plus bas. Ici. Je réfléchis. Je prie. C'était mon heure, Cassandra. Quoi ? Cette gloire était censée me revenir, mais tu m'as tout pris. Tu as pris Podarkes. Tu as pris ses îles. Tu m'as pris Kira, la femme que j'aime. Personne ne t'appartient, Thaletas. Je ne t'ai pas privé de ta gloire, je t'ai aidé. Tu n'as rien fait du tout. Nous étions amoureux. Et cela peut revenir. Je peux reconquérir son cœur. Lui prouver que je suis le guerrier qu'elle désire. Baston ? Ouais ! Tiens, mange ça dans tes dents. Je crois qu'il est mort. Là il reviendra pas. Hein. Là c'est clair, monsieur il ne reviendra pas. Il était légèrement vénère après moi à vrai dire. Merci de m'avoir accompagné là-bas. J'avais besoin de toi. J'avais envie d'être là. Tu le sais. Oh, tu as appris ? Thaletas est promu général. Et il doit repartir à Sparte dans la matinée. Il le méritait amplement. Est-il regagné sans encombre, sans lointain rivage ? On a menti, hein. On n'a pas été dire qu'on l'avait tué. Hein, parce que... Et qui a répondu ? On n'est pas là pour faire un scandale. Sandra, la puissante porteuse d'aigle. Et Thaletas, le Spartiate. Il est parti. Mais nous sommes ensemble. Comme Artemis et Apollon, Mykonos et Delos. Les gens célèbrent notre existence. C'est vrai, mais je partirai bientôt. Une chose à la fois. Ce soir, nous sommes ensemble, Cassandra. Nous tous. Une famille. Une rébellion. Tu me sembles prête à partir. Podarkes est mort. Kira est avec ses rebelles. Et d'autres cibles m'attendent. Alors partons. Mais avant, j'ai laissé entendre à Kira que tu t'adresserais aux rebelles avant de faire tes adieux. Faisons nos adieux. Écoutez, calmez-vous, calmez-vous. Cassandra aimerait vous dire quelque chose. Habitants de Delos, vous êtes désormais libres.
Alors réjouissez-vous. Que Dionysos remplisse votre coupe et que les muses chantent vos chansons. Levons nos coupes à Cassandra, à la victoire. Beau discours, mais je ne suis pas sûr que les rebelles soient nombreux à imaginer Delos libre. Je crois que ça leur a plu. Bien sûr, ça ne fait pas de doute. Je vais rassembler l'équipage. Je te retrouve au navire. Voilà, donc encore une bonne série de quêtes de fête. Socrate ? Les rebelles pourchassent les Athéniens. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu enseigner, comme toujours. Mais ne t'en fais pas. Je pars vers l'Attique sur un navire marchand dans la matinée. Toujours aussi sage. Merci d'être venu nous dire au revoir. À ce propos... Barnabas ? Nous sommes prêts à partir ? L'équipage est joyeux, malgré la gueule de bois. Mais le navire est prêt. Bien. Mais je regrette que nous laissions Kira seule pour rebâtir son foyer. Sommes-nous vraiment seuls lorsque nous avons nos amis et nos alliés à nos côtés ? Exactement. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand tu as mis le pied sur ce sable ? Que nous venions terminer un travail. C'est ce que nous étions venus faire. Et c'est ce que tu as fait. On ne t'appelle pas... la puissante Mystios sans raison. Qui m'appelle comme ça? Lui, bien sûr. Bon, il est temps de donner des ordres à l'équipage. Où veux-tu que nous allions? Ah, le monde nous appartient et le vent nous porte. Partons à l'aventure, Barnabas. Comme nous le faisons toujours. Je sais déjà pas où je dois aller, alors ça a rien de me poser la question. Alors, une nuit mémorable, quête terminée. Regardez un peu ce qui s'offre à nous. Alors, on a deux quêtes qui sont mises ici. Je pense que ça serait intéressant d'aller y faire un tour. Cependant, faut faire le tour de l'île. Donc, on va faire le tour de l'île déjà. On a EP aussi bateau hein, au passage, normalement il est beaucoup plus performant en tête de combat et tout. On peut ramer plus longtemps aussi. Bon, à 200 mètres, on a une quête. On va se concentrer sur celle-là dans un premier temps. Le lieu de naissance d'Apollon lui-même. Oh, piller des trésors. J'avais pas vu qu'il y avait des trésors ici. Ah, intéressant. Intéressant, on peut aller faire un petit tour. Qui dit trésor dit sous. Qui dit sous, moi je dis content. Je n'ai pas intérêt à ce que vous marquez. Ce qu'on appelle du ménage bien fait. Thank you.
Voilà. Une bonne chose de faite. Socrate, tu te fais des amis partout où tu vas, n'est-ce pas? Cassandra, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui t'amène à Délos? J'aide un groupe de rebelles de Délos. Mais ont-ils vraiment besoin d'aide? La décision de se rebeller elle-même ne suffit-elle pas à se libérer de l'oppression? Oh, n'essaie même pas. Je ne me laisserai plus entraîner dans une de ces discussions. Il y a pourtant une situation pour laquelle j'aimerais avoir ton avis. Très bien. Les soldats ont capturé un rebelle. Il a volé le sanctuaire afin de financer la rébellion. Lorsque les gardes ont tenté de l'attraper, il a tué l'un d'eux. Un meurtre à Délos? On va probablement l'exécuter. Oui, même s'il est illégal de le tuer ici. Alors il attend son sort, être transporté vers Mykonos. Et moi, quel est mon rôle? Penses-tu que ce rebelle mérite la mort? Que le tuer sera faire justice? Je vais te répondre en te demandant ceci. Qu'est-ce que la justice, au juste? Une question brillante. Il a volé ce qui est mal. Mais c'était pour la liberté de son peuple, ce qui est bien. Il a tué un homme. Pour sauver sa propre vie. Il a enfreint une loi sacrée dont il savait qu'elle honorait les dieux. Donc tu dis qu'il peut tuer et voler, mais que s'il tâche le sol, il doit avoir la gorge tranchée. Je n'affirme rien. Mais en nous écartant de la règle, ne devenons-nous pas des animaux? Tu connais déjà mon avis. Je peux y aller? Bien sûr, bien sûr. Il reste néanmoins un point. Oh, comme d'habitude. Ce rebelle est détenu au nord d'ici, à l'Estiatorion. On doit l'envoyer à Mykonos demain. Attends, tu cherches à me persuader de sauver cet homme? Persuader? Jamais. Mais je suis curieux. Maintenant que tu sais où on le retient et pourquoi, irais-tu le sauver? Je vais rendre visite à ce rebelle. J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun. Je m'en doutais, mais je n'ai pas d'argent à t'offrir. Seulement du savoir, que l'on devrait préférer, car il est permanent, pas provisoire. Eh bien, c'est déjà ça, j'imagine. Je préfère quand même qu'on ait de l'argent, hein. Je vous avouerai que l'argent, ça part vite. C'est toujours utile. Rebelle est là. On y était déjà venu par le passé, hein, ici. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Il s'agit encore une fois de s'infiltrer. Ne ramènerez pas sur Mykonos. Kira va venir et vous tuera tous. Retournez d'où vous venez, bande de porcs. Cette terre est celle d'Apollon. Merci, Mystios. Ils allaient me tuer, mais tu les as tués la première. D'autres vont venir. Vite, suis-moi. Je t'ai vu. Ça t'a plu de verser le sang sur cette terre sacrée, comme à moi. Je ne suis pas comme toi. Maintenant, tais-toi et suis-moi. Tu vas Ah, c'est lag, c'est chiant. Mort à nos oppresseurs. Et à tous ceux qui tentent de s'emparer des îles de Délos. Nous sommes libres. D'autres gens vont mourir si tu ne te tais pas. C'est le silence qui a causé tout ça.
Je ne cesserai de crier que quand tous les soldats seront morts. Malaka. Voilà, donc il est libre. Ces lions sont impressionnants. Je me demande ce qu'ils gardent. Il faudrait que tu apprennes à te taire. Tu aurais pu nous faire tuer. Alors notre sacrifice enflammerait le cœur des rebelles. Ils jetteraient à la mer tout étranger à Délos pour que Poséidon le réduise en bouillie. Tu sais que je ne suis pas de Délos. Et les Spartiates qui ont combattu et sont morts pour la rébellion ne l'étaient pas non plus. Athènes veut ses îles pour leurs richesses. Sparte les veut pour elle-même. Jamais je ne les abandonnerai. On n'a pas besoin de ces gens. On ne veut pas d'eux. Délos appartient à ses habitants. Maintenant, si ça ne te gêne pas, je vais aller voir Kira. Les rebelles doivent quitter leur grotte. C'est maintenant qu'il faut frapper. Va, et ne reviens pas. Tous les soldats de Délos vont te chercher. Non, qu'ils me trouvent. J'en ai déjà envoyé un aux enfers. J'adorerais recommencer. Ouais, bah... Oh, tant pis pour lui, hein, c'est son problème. C'est pas le mien. On va aller récupérer la quête de la méthode socratique. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est la quête de la méthode socratique. À 180 mètres. Après, il nous restera plus qu'une quête sur ces îles, apparemment. Enfin, je pense pas que ce soit une quête. Donc, c'est vraiment la dernière qui nous restera. Tant mieux, parce que. Commence à faire un petit bout qu'on est là, quand même, quelques épisodes. Sandra, te voir à Délos remplit mon cœur de joie. Dis-moi, comment s'est passée ta rencontre avec le prisonnier rebelle? Tu ne m'as jamais dit que c'était un fou subversif. Qui suis-je pour juger ce qui est extrême ou fou? Ne le sommes-nous pas tous, à un moment ou à un autre? Il vous aurait jeté à la mer, ta philosophie et toi. Peut-être quand j'étais plus léger, tant en chair qu'en philosophie. Alors, dis-moi, as-tu pu résoudre cette situation sans verser le sang? Ce rebelle avait une garde, je l'ai... relevé. Intéressant. Tu as estimé que la vie d'un voleur et meurtrier valait plus que celle de soldats faisant leur devoir. Pour être franche, je n'ai même pas pensé à lui. Qu'est devenu le rebelle? S'il sait ce qui est bon pour lui, il devrait être en route pour Mykonos. Nos choix sont comme des rides sur l'eau. Au début, ils semblent minuscules et insignifiants. Mais avec le temps, ils peuvent se muer en raz-de-marée dévastateurs. Je te remercie, Socrate. Je peux toujours compter sur toi pour me donner un impossible mal de crâne. Oh, mais de rien, Cassandra. J'espère te revoir à l'occasion d'un banquet. N'y compte pas trop. Bon, on a encore une quête à proximité, en souhaitant que ce soit la dernière. Tu saignes. Beaucoup. Tu es là pour me remettre au prêtre? Ça dépend de ce que tu as fait. J'ignore si on te l'a dit. Mais il est interdit de mourir sur cette île oubliée des dieux. On me l'a dit, oui. Dommage qu'on ne l'ait pas dit à la bête qui rôde par ici. Il y a de l'argent pour qui la tuera. Si tu paies, j'irai tuer cette bête pour toi. Tu n'es pas le premier chasseur à me dire ça. Mais j'ai toujours toutes mes pièces. J'ai chassé de nombreuses bêtes. De quoi s'agit-il cette fois? Je mentirais en parlant d'un ours. Cette créature est le cauchemar d'Artémis.
Je vais trouver cette bête et la tuer. Ne te vide pas de ton sang avant mon retour. Alors, où elle est cette bête? Ah oui, c'était l'ours isolé sur la plage que j'avais rencontré il y a quelques épisodes. Bon, retourner là-bas juste pour lui, ça fait un peu chier, mais bon. Tant pis! Où lui? Reviens ici mon canasson. Voilà le petit ours. Une bête imposante, mais ta place n'était pas ici. Ah, faut que j'examine les alentours de l'épave. Ok. Apparemment, ils étaient en bateau, donc la dame venait de bateau. Une trace de main sanglante. Elle est récente. Une épave? Ça expliquerait l'arrivée de cet ours sur Delos. Cette liste indique que l'ours venait d'Arcadia. Il n'y a plus rien à trouver ici. Je dois retourner voir cette femme. Minerai d'oricalque, toujours intéressant. Un cadavre. Avec les boyaux à l'air, un festin pour les oiseaux. Tu es en vie et le monstre?
L'ours est mort. Je n'en avais jamais vu de pareil. Tu l'as tué ? Alors, c'est fini ? J'ai trouvé des empreintes de mains sanglantes et une liste de marchandises près d'une cage brisée. L'ours est mort. Et c'est tout ce qui compte. Dis-moi d'où tu viens. Vite. J'arrive d'Arcadia. Tu fais de la contrebande. Tu ne voulais la mort de cette bête que parce que les gens de Delos t'auraient tuée si elle avait attaqué des habitants. Que voulais-tu que je fasse ? Je n'ai pas pu la tuer, j'ai essayé. Les gens de Delos sont complètement fous. Tu sais ce qu'ils font à ceux qui apportent la mort sur leur île ? Alors tu as laissé un ours féroce en liberté. Nous transportions des marchandises de contrebande d'Arcadia vers Kos pour un dénommé Sargon. Nous avons fait naufrage lors d'une tempête, et l'ours s'est libéré et a tué l'équipage. Je sais. J'ai vu les cadavres. Ces gens étaient mes amis. Je t'en prie, je te paierai. Tu ne peux pas dire aux habitants de Delos que c'était ma faute. Tu as assez souffert. Ce que les gens de Delos ignorent ne les tuera pas. Une Mystios qui a du cœur. Tu es aussi rare que ce monstre. Tiens, prends les drachmes qui me restent. Surtout mon porte-monnaie qui a besoin d'argent. Ne te fais pas prendre par les gens de Delos. Tant que tu me donnes des drachmes, y a pas de problème. Je garde tous les secrets que tu veux. Voilà, j'espère donc que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me donner vos avis. Je vous dis à très bientôt dans la suite de nos aventures. Salut les amis!